CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel pour le QSO du canal 32. Ouais, 73 à vous, São Paulo, Brésil. 14 km, 3301, du sud-ouest France. Ah ben alors là, pour le coup, le QSO du canal 32 se fait international. H3 coups. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui parle la langue? Ça m'aiderait bien là. Bon, ça arrive petit maintenant. Maintenant, j'arrive un peu en retard, quoique tout le monde arrive en retard. Il est presque 18h30. Attention les stations en fréquence. Attention les stations en fréquence pour 14 km 3301. Dandy 33, opérateur Rémi, lance appel pour le QSO du canal 32. Depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde, du côté de Saint-Émilion. Dordogne, oui Fabrice, les 73 de 14 km, 3301 Rémi. Salut Rémi, ça va? Ah ma foi, oui, et toi, ça faisait un moment que je t'avais pas entendu, quoi que je dis ça, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à être en fréquence. Ah ben tu m'étonnes. Au fait, là je démarre une vidéo. Est-ce que ça te dérange? Si oui, je la coupe net. Hein. Ça empêchera pas de continuer le QSO. H trois coups. Non, y a pas de problème. Ouais, déjà qu'il y a pas grand monde qui qu'on entend en ce moment, qu'on n'y a pas énormément de propagation non plus sur la fréquence. Non, ça me dérange pas. Y a pas de problème. Là. Alors, mais toi là cet après-midi, ok merci. Ben toi là cet après-midi là, je sais plus vers quelle heure, 15h30, 16h, oh je sais plus, non, ou peut-être un peu plus tard. J'ai entendu la réunion qui a appelé le Canada. Donc toi là, entre eux deux, ça avait l'air de bien passer quoi au niveau propague. Bon, j'étais occupé, j'ai pas briqué, et puis bon, la réunion a appelé le Canada, je laisse appeler le Canada. Hein. Ah, chie, j'avais pas trop envie de le déranger non plus, quoi. Mais bon, la propague était là, en tout cas. Hein. Après, si, genre, bon, le Brésil, en ce moment, c'est tous les jours qu'on entend. Bon, et puis là, les habitués, Tenerife, Espagne, j'ai pas entendu l'Italie, ou je sais plus, j'ai pas fait gaffe. Derrière, il y a le Brésil qui est en train de passer là. Et là, ben, c'est quand? C'est avant-hier? Je sais plus. Ouais, je crois. Enfin bon, bref, là, 6 jours derniers. En plus, de ce côté-ci, mais en AM,
tu avais les USA là, qui passaient comme là, sur le canal 6 et puis quelques autres canaux aussi. Là, il y avait les USA qui passaient bien. Hein. Ouais, affirmatif, c'est vrai que moi, les langues étrangères, c'est un vrai souci, ça. C'est... j'y arrive pas, quoi. Bon, j'y mets peut-être de la mauvaise volonté aussi, hein. Je chie trois coups. Mais bon, déjà, c'est vrai que si je me mettais à l'anglais, ce serait déjà pas mal. Mais, allez, je vais me réconforter en disant que... j'ai pas le temps. Quoique, hey, c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, on est tous en train de courir à droite, à gauche, ci, cela, et ainsi de suite. Patin, coup fin, le boulot, ainsi de suite. C'est, on n'arrête pas de courir. Quoi. Alors, prendre un peu de temps pour soi, comme là, par exemple, c'est vrai que ça me serait bien pratique là, d'apprendre un petit peu l'anglais, même au boulot d'ailleurs. Et non, je prends pas le temps d'eux. Hein. Allez, t'entends qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok, alors j'ai pas répondu dessus parce que comme en même temps je suis en train de bricoler, là, j'ai eu un petit souci sur un ampli là, et je viens de m'apercevoir qu'il y avait des trucs qui avaient créé là, mais voilà, bon, mais oui, on, après on verra bien, voilà. Ben, après c'est bon, si un peu de propagande de temps en temps, de toute façon on va avoir la propagande d'hiver là, qui va arriver aussi, donc bon, après il faut être branché au moment. Ouais, affirmatif. Alors, c'est un bon Santagonef hein, au QRA. Hein. Bon, tu sais où je suis. Donc, là, pour l'Alpha Lima, voilà, voilà ce que ça donne. Un bon Santagonef et une radio très propre, radio de 5. Hein. D'ailleurs, quand j'aurai travaillé la vidéo, là, tu pourras voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Là, pour mieux apprécier la qualité qu'il y a de ton côté. Hein. Et là, c'est vrai que c'est parfait. Hein. Ok, d'accord. En disant Santiago 9, non, c'est 8,5 pour la précision. Ok, c'est un ampli à quoi? Lampe ou transistor? C'est la lampe. La lampe, c'est un 2002 là. C'est mon 2002 que j'ai là, que je me sers pas. Ah oui. Ah oui, d'accord, et il n'y a pas eu un effet domino sur les lampes, à tout hasard? Eh bien, ça, je saurais ça quand ça, je vais remonter le truc, quoi. Après, bon, les lampes, elles sont pas toutes, elles sont d'origine de l'ampli aussi. Alors, bon, après, s'il faut échanger, ben, on échangera, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. T'as jamais été tenté par un ampli à transistor? Je dis ça comme ça, hein. C'est vrai que quand on cherche la pureté, on va plutôt vers des amplis à lampe. Mais c'est vrai que l'ampli à transistor, lui par contre, il a l'avantage que ben, c'est opérationnel de suite, quoi. Ça fait
venir à l'autre maison en haut, là, du village. J'habitais, donc ça fait 15 ans que je suis là. Ça fait 15, 16, ouais, ça fait presque 20 ans que j'ai l'emprise, là. Ça fait 20 ans que j'ai l'emprise, j'avais acheté ça à Radio Amateur, et toi, depuis 20 ans, j'avais pas changé, j'ai changé, j'avais changé que les transistors de puissance, là, en changeant de 1 à 4, là, de 1 à 6, mais j'avais pas changé les lampes à rien. Donc depuis, il n'y a pas de pas à l'horizon, quoi. Ah, j'ai laissé un blanc exprès là pour voir derrière. Ok, d'accord. Ouais, bon, ça va. Ça a l'air d'être du bon matériel encore quand même. Hein. Malgré le... Ah oui, c'est... je vois le truc que tu veux dire là. Les gros con... le gros. Enfin, là, tu dois avoir deux gros condos dedans. Et, c'est l'un des deux là qui a cramé. C'est bien ça, quoi. D'accord, non, bah, j'y connais rien en électronique. Hein. J'ai aperçu comme ça une fois dans ce qu'on m'avait donné là, un BV131. Oh, j'ai pas osé le brancher. Hein. Je crois même qu'il est HS. Et bon, j'avais ouvert, j'avais fait le curieux dedans comme ça. Bon, j'avais vu là une lampe. La lampe d'ailleurs, elle est. D'ailleurs, tiens, je vais la montrer là devant la vidéo. Devant la caméra, voilà, on voit qu'il y a une jolie tache noire là sur la lampe. Hein. Elle est claquée. Hein. Mais bon, le truc, bon, je l'ai rangé, j'ai fait le curieux dedans et tout ça. J'ai pris des photos et tout ça de l'intérieur et tout pour mettre sur le forum. Et autrement, bon, il est rangé là dans de côté quoi, avec quelques autres postes quoi. Autrement, j'y connais rien du tout en électronique dedans. Quoi. C'est ok, tu m'expliques, d'accord, je t'écoute. Je vois à peu près, mais bon, après, je suis court à ce niveau-là. Oui, oui, ben oui, tout à fait, ouais. Non, mais après, bon, moi j'essaie, si je peux, je tente de réparer, de bidouiller. J'en ai un 131 avec les ventilés, là, j'en ai un, c'est mon premier ampli que j'avais acheté là. Chez CRT, ouais, t'en trouves, hein. Oh, si, si, il y en a quand même, hein. Il y en a quand même quelques-uns, quoi. Oui, oui, tout à fait, ouais. Non, mais bon, après, pour le peu, je m'en sers pas tant que ça, en plus. Je m'en sers un petit peu quand il y a un petit peu de propagation, quoi. En gros, voilà, je m'en sers quand il y a un petit peu de propagation. Et quand des fois, ben, ça aide un petit peu, puis bien souvent, quand je vois que le bois, bah tiens, à propos de puissance, c'est justement là ces jours-ci, là, quand là, ça, les Américains l'ont passé bien comme il faut là, sur le canal 6, t'as, j'écoutais justement, oh la vache, tu sentais qu'il y en a quelques-uns, ça compressait derrière. Hein. Ça compressait dur. Hein. Ah, chier trois coups. C'est, je sais pas combien il y en a, là, ils ont envoyé là derrière, mais il devait y avoir du costaud. Hein. Il n'y avait pas que la propague. Hein. C'est clair. Hein. Mais bon, maintenant, c'est vrai que l'Alpha Lima, quand la propague n'est pas là, de toute façon, l'Alpha Lima, il ne fait rien de plus. Hein. Sur le 27 mégas, ça fait strictement rien de plus hein, si la propague n'est pas là. Hein. Mais oui, oui, tout à fait, c'est pour ça. Alors, hein, ça sert juste. Après, moi, je n'allume pas
Ah, c'est clair. Mais tiens, justement, une question comme ça. Bon, j'en ai jamais entendu parler pour ma part. Mais il n'existerait pas un truc, un accessoire qui permettrait de brancher entre et qui éviterait les retours à chef comme de l'ampli dans le poste? Ah oui, c'est clair, on peut pas tout connaître, c'est pas possible. Ou alors on serait meilleur que les meilleurs. Non, mais c'est une question comme ça. Pour moi, c'est vrai que moi non plus, hein, j'en ai jamais entendu parler. Mais c'est une question qui serait intéressante à apporter aux fabricants, voir ce qu'ils en pensent, quoi. Enfin, j'imagine qu'ils ont dû déjà se poser la question. Je dis ça, mais bon. Si on se pose la question, d'autres ont dû se poser la question aussi, c'est comment faire pour éviter les retours à chef dans le poste? Quel accessoire pourrait éventuellement faire barrage? Alors là, c'est vrai que là, j'en ai jamais entendu parler. Ouais. Ça monte la propague derrière. Hachi, c'est bon ça. Là, on va encore. Oui, en fait, ouais, tu disais que la propague à hiver arrivait, je saute du coq à l'âne. Là, oui, ça se sent hein, qu'elle arrive. Ça se voit. Hein. De toute façon, quand tu commences à entendre les Américains, tout ça, le Canada qui commence à passer, parce que justement, là, je sais plus si c'est sur Facebook ou ailleurs, ou peut-être sur le forum, je sais plus. Il y a des OM, je crois que c'est vers le nord de France, par là, qui ont déjà commencé à parler avec le Québec. Et il y en a qui les ont déjà eu en fréquence. Donc là, c'est bien parti, quoi. Ouais, je laissais un blanc justement pour écouter derrière. Je pense que ça va, on n'a pas trop l'air de se déranger là. Ouais, ça va faire plaisir de les entendre à nouveau là. Puis c'est vrai que j'adore les entendre. Et ils ont une façon d'être en fréquence qui est des plus décontractée, on va dire. Pourquoi s'emmerder en gros, quoi. C'est une façon de voir que j'adore chez eux, ça. Ouais, bien sûr, comme là, vu comment c'est parti, là, ce week-end, ça devrait s'annoncer bon, quoi. Mais bon, hélas, pour ma part, je bosse. Donc, mis à part peut-être demain après-midi, ouais, ça devrait le faire peut-être, et encore, je suis pas sûr. Ah ouais, ça va nettoyer les antennes au passage. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hop là, je crois que la moto avait resté rangée. Je vais prendre la voiture à la place. Ah mais si y en a besoin, il n'y a que les vignes qu'on n'a pas eu besoin, quoi, c'est tout, quoi. Et c'est vrai que je vois, moi, hier, là, bon, j'ai fait une sortie moto, là, je suis allé jusqu'à Aimé, là, sur la Dordogne. J'avais vu ça à la télé, ils avaient dit que c'était le village où il y a le plus d'Anglais.
Donc je me suis dit, tiens, je vais aller faire les curieux. Je vais aller voir comment c'est là-bas. Bon, c'est un petit village qui est très sympa. Et tout au long de la route, je regardais et tout ça. Mais c'est sec, mais c'est sec. C'est sec de tous les côtés, quoi. C'est... Waouh. À ce point, j'imaginais quand même pas, quoi. Bon, je dis ça, mais on n'arrête pas de faire boulot, maison, et du coup, le reste, on ne le voit plus, quoi. Mais hier, quand j'ai vu ça, la vache, comment c'est sec de tous les côtés, quoi. Ça monte derrière. Ouais, c'est sûr qu'il y en a, là, ils prennent leurs pieds comme ça, quoi. C'est... enfin, j'ai bien une opinion là-dessus, mais bon, je préfère me taire. Je préfère me taire à ce niveau-là. Ouais, c'est à se demander ce qu'ils ont dans le cul, là, ces gens-là. Quoi. Ils sont à la recherche d'adrénaline. Ça réalise pas beaucoup là-haut, là, au grenier. Hein. on voit que ça doit être le grand vide, là, de ce côté-là. Quoi. Ok, ben tiens, pour prolonger la vidéo, j'allais me balader un petit peu droite à gauche, voir un petit peu la propag, ceci, cela. Ouais, je vais faire ça comme ça, voilà, et puis après, je travaillerai, je la mettrai en ligne. Ok, sinon, ben fouille sur le forum, t'arriveras peut-être à trouver ce que tu veux, je sais pas. Il y a pas mal de choses à demi, là, ça bouge pas mal de ce côté-là. Tiens, à propos de bouger... en plus du groupe là qu'il y a sur Facebook, on vient d'ouvrir aussi un groupe sur le réseau Telegram. Donc, toi, on élargit un petit peu. On va parler un peu plus de Sibi aussi de ce côté-là. On élargit un petit peu le champ d'action. Et encore de l'occupation en plus. Hachi trois coups. Ok. Allez, merci pour ce QSO, les 213-51 à toi, et je sais pas où je serai tout à l'heure en fréquence, aucune idée, et merci, à la prochaine. Waouh, ça monte. Une YL? Ah, mais c'est Hélène, bien sûr. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, de Bretagne, là. Voilà, 14, je n'ai pas de tête, là, mais... ouais, parce que quand même, bon, comme j'ai eu mon petit souci de santé, du coup, j'avais l'installation de Sibi Talk, et puis je suis tombé sur une fréquence, là, il y avait des QSO, et à un moment donné, on a discuté un petit peu, là.
Ah oui, elle est super, elle est géniale. Elle était avec nous justement là à Marennes, le dernier week-end de juillet à Marennes au salon du Rêve 17. Voilà, elle était avec nous là dans l'équipe. Elle a tenu la station. Si tu veux la voir en vidéo, elle a tenu la station justement, la station expédition que je mets à chaque fois à disposition là-bas sur le stand. Tu verras, c'est une brune. Voilà, tu pourras la reconnaître facilement dans la vidéo. Ah, s'il y en a partout, je ne sais pas si tu as déjà vu la carte des kilomètres. Oui. Il y en a un sacré paquet. Hein. Alors je vais que je lance le navigateur. Alors voilà, je ne sais pas combien il y en a en tout. Alors la carte. Alors déjà, ne serait-ce que là, sur la Gironde. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27, rien que pour la Gironde. Ok, alors l'YL, Hélène, que tu as eu là via l'application, alors c'est 14 kilomac 29-10, voilà pour son indicatif, 14 kilomac 29-10, et sur le 24, tiens, voyons par exemple, alors sur le 24, il y en a, alors 1, ça c'est réservé, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 le département 24. Ça commence à. Après, voilà, il n'y en a pas énormément en plus. Il n'y a pas beaucoup de radios là-bas. Sur la Dordogne, on n'est pas si nombreux que ça. Hein. Ouais, alors tu as. Alors 14. Oui, bon, je vais dire simplement la fin. 24-04, c'est-à-dire Jean-Baptiste. 24-05, Samuel. 24-06, Philippe. 24-07, François. 24-08, Pascal. 24-09, Jérôme. 24-10, Maxime. 24-11, Joël. 24-12, Nathaniel. Et 24-13, toi. Ah ouais. Bah donc tu vois, donc c'est pas mal. Bon après, c'est qu'il y en a vers Périgueux là-bas, ouais, j'ai vu là, il y en avait sur Périgueux. Ok, donc tu es sur le groupe Kilomac sur Facebook. D'accord, ok, c'est bon ça. Putain, oui, comme tu dis, ouais, ça fait du monde. Et derrière aussi, là, il y a du monde. Et en plus de ça, alors via une cotisation, tu peux avoir la boîte postale de l'ERCI. Voilà, donc pour le moment, c'est via cotisation à l'ERCI. Tu peux bénéficier d'une boîte postale de ce côté-là même, tu vois, en étant kilomac. Je regarderai avec un profond un peu plus le site là, je regarderai.
Oh oui, parce qu'en plus de ça, elle est adjointe DX, je crois, à l'ERCI. Donc un peu. Alors attends, j'essaie de faire deux choses en même temps, ça coince. ERCI, voilà. Alors, voilà. ERCI, composition du bureau. Donc, elle est où? Ah là, voilà. Ouais, c'est ça. Adjointe chargée du DX avec Isabelle. Ok, ça marche. Et dernière petite info, ouais, t'as dû l'avoir passé, j'imagine. Au 1er janvier, il y a quelque chose. Et puis autre chose qui est en cours de préparation pour la suite. Voilà, bon, déjà, de toute façon, il y a une annonce qui est passée là pour la première semaine de janvier. T'as dû certainement voir ça. Non, je vais pas dire trop. Je vais pas en dire trop. C'est déjà diffusé de partout. Donc, ça ferait que répéter ce qui est déjà diffusé. Ok, les 73 à toi. Merci pour ce QSO. Content de t'avoir eu en fréquence. Et à la prochaine sur les ondes. Merci, bye bye. Ah, du côté de ce côté-là, les 73 à tous, voilà, je vous ai fait profiter un petit peu de la CB, là sur Zello. J'ai pas le temps de rester sur Zello, il y a la radio qui m'appelle. Ou plutôt, je suis accroché à la radio. Donc les 73 à tous, bonne soirée. Voilà comment faire découvrir ou plutôt écouter la CB d'une autre façon. Et bien là, il était temps qu'on termine le QSO. Alors, voyons ça un peu. Apparemment, c'est pas trop du côté des USA. Bon, l'heure n'est pas affichée sur la caméra, là il est 19h. Royal. Quand ça passe de partout. Visiblement est pas tournée de ce côté-là ou pas assez forte. Là, je suis en plein sur l'Australie. Alors, la propague est pas du tout de ce côté-là. Allez, à la belle table.
pararon porque la plantita no duró lo que pensaban y cuando salimos encontraron una ñangara allí. Como moñito. Il y a un sacré micro, oui. Pour l'explosion de la plante, la esposa resultó con quemaduras también. La ha destruido. Ella está en el centro médico, elle murió. Bon, dommage pour la fréquence d'appel. Ah, en montant, c'est plus timide. Hein. Comme sur la précédente vidéo, on remarque qu'il y a davantage de monde du côté des 40 canaux que sur les SUP. Hein. Tiens, on va essayer quand même. Alors là, c'est la fréquence du groupe des Tanons qui sont sur le Québec. Hein. Attention le Québec, attention le Québec pour 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde du côté de Saint-Émilion. Non. Et là, il n'y a plus rien. Yeah.